Un petit moment d'attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que le vrai Martin Saint-Louis peut se lever? Je répète. Est-ce que le vrai Martin Saint-Louis peut se lever? Il est déjà debout, il est juste 5 pieds 7. Le grand Martin Saint-Louis débarque à Montréal. Ça, c'est génial, c'est écrit sur chaque page du journal. Oui, et petit, mais sa passion d'être champion est plus grande que Chara, avec des échasses debout sur ton balcon. Ha! C'est l'ange gardien du petit 22. Depuis Saint-Louis, ça va mieux. Score des buts comme Mario le mieux. Chantal y a dit... Inquiète pas Martin, je suis là si jamais ton français est pourri. 5 victoires de suite, maudit qu'il mérite, les joueurs embarquent dans le plan à 100%, puis personne n'hésite. Je peux t'avouer que j'aimerais ça, drafter premier, mais une couple de victoires, ça jamais tué. C'est un coach par intérim qui me fait rapper des rimes. Si c'était juste de moi, il y aurait la job l'année prochaine, c'est lui qui va le choisir, notre prochain capitaine. Il est beau, il est bon, puis c'est un Québécois pur, man. Ma mère a trait dessus, puis moi je pense me faire tatouer sa face sur le cul. C'est en 2014 qui m'a brisé le cœur en scorant top net. Ah oui, c'était tout un joueur. Même s'il fallait se pencher carré pour y jaser, il a toujours joué aussi fort qu'un gars de 15 pieds. Là, il est dans mon équipe, pis ça, je suis bien content. Peut pas scorer contre nous quand t'es derrière le banc. Il a travaillé comme un bœuf pour se rendre ici, comme Léo Gagné. Il a bûché toute sa vie. Bien hâte de voir ce que l'avenir lui réserve dans sa ligue de quilles. Que des abats, aucune réserve. C'est Martin Saint-Louis, oh oui, le vrai Saint-Louis. Il a quitté sa famille pour venir s'installer ici. Il se mérite une ovation. Please stand up, please stand up, please stand up. C'est Martin Saint-Louis, pas plus grand ni plus. Plus petit le même qui avait le bâton jaune rempli de magie. Il se mérite une ovation. Please stand up, please stand up, please stand up.